On vient de créer la marque The Ray, qui commercialise des bijoux très particuliers. Ils ont la particularité de refléter la lumière du soleil pour former un message caché dans l'or de la bague. En structurant avec beaucoup de précision l'or, donc la surface de l'or, on arrive à changer la direction des rayons lumineux de façon très légère, mais suffisante pour que ils arrivent à se concentrer et former un message de lumière. Donc cette technologie, elle a été développée par le professeur Marc Pauly dans son laboratoire d'informatique graphique et géométrique. Et c'est dans ce laboratoire, en fait, qu'on a tous travaillé et qu'on a aidé à améliorer cette technologie et qui aujourd'hui se retrouve sur le marché grâce à la startup Rayform. Since the starting of Rayform, we've been developing a software with our proprietary algorithms in order to take an image and take the parameters of where the light is, where the shape is, where the image should be projected, and we take that all together to be able to calculate a form that we need to put onto that object in order to make whatever image. Alors, cette technologie qui permet de créer des images de lumière, en fait, elle est inspirée de la nature. Elle vient d'un phénomène optique qui s'appelle les caustiques. C'est ce phénomène qu'on retrouve par exemple au fond d'une piscine quand il y a du soleil. On a des très beaux motifs qui apparaissent, qui sont un peu aléatoires. Et ça, c'est vraiment l'inspiration de base. Et la question, c'était est-ce qu'on peut contrôler cet effet? Est-ce qu'on peut dompter la lumière et pas simplement avoir des effets aléatoires, mais avoir des images extrêmement précises? Donc, durant ces 3 dernières années, on a appliqué notre technologie dans plein de domaines différents. Par exemple, on a travaillé avec beaucoup d'artistes pour créer des installations en extérieur, des grandes installations à grande échelle qui utilisent le soleil comme source de lumière. Par exemple, l'installation Solide qui se trouve dans le bâtiment Rolex Learning Center à l'EPFL. Ensuite, d'autres applications qu'on fait également, c'est dans tout ce qui est anti-contrefaçon, c'est-à-dire empêcher les gens de copier des produits, que ce soit des montres, que ce soit des documents de sécurité. Ça peut s'appliquer dans vraiment plein de domaines différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'avoir une source de lumière pour vérifier si le produit est un vrai ou un faux.